créer les conditions optimales et favorables aux études afin de réaliser un meilleur résultat au baccalauréat session 2014 et surtout faire du lycée moderne de Boutreau un établissement d'excellence et de référence en Côte d'Ivoire. Cependant, le lycée de Boutreau présente de nombreuses difficultés. Vétusté des salles de classe, manque de bibliothèques, d'infirmerie, d'enseignants et laboratoires hors d'usage. Malgré ces difficultés, le ministre Nyamiokola, fils de Boutreau, nourrit des ambitions pour cet établissement qui a formé de nombreux cadres de ce pays. La réalisation de ces ambitions nécessite des moyens. Le député de Boutreau vient d'échanger sur la question avec la famille éducative du lycée. Nyamiokola décide d'aider les 124 candidats au baccalauréat. Pour l'année scolaire 2013-2014, que nous ayons un très bon taux d'admission au baccalauréat. Et j'ai même dit que même si le taux de Sainte-Marie est inaccessible, mais qu'après Sainte-Marie, ce soit le lycée de Boutreau. Prise en compte des cours de renforcement à hauteur de 1 600 000 francs CFA. Achat d'effets didactiques, soutien financier aux élèves les moins nantis pour le repas de midi à la cantine. Tels sont les engagements également pris par le ministre. Relever le niveau de l'école dans le département de Bouaké, le ministre n'est pas à sa première action. Il a permis à plusieurs élèves des villes de Bouaké, Béoumi, Sakasso, Boutreau et Brobo de bénéficier de cours de vacances pour la rentrée scolaire 2013-2014.